mettre en dépresse. Voilà, pour faire sortir le sérum. D'accord. Voilà. Et donc après de là, on continue comme ça. Ouais. On va par là. Ça, c'est ce qui reste de. De l'été. C'est fabriqué au mois d'août. Ouais. Après, c'est la tâche d'entretien des fromages. Donc ça, ça enlève trop de moisissures qui... Non, ça sélectionne les moisissures, en fait. Ah oui. Bon. Voilà. Voilà, comme ça, ça sera vu. Alors, tu dis qu'il voulait un bout de fromage, quand même. C'est ouais. Ce que tu disais. Alors, duquel on prend? Celui-là. Sur cette planche-là, hein. Et à demain matin. Ouais, à demain matin. Voilà. Ça fait comme ça là-dedans. Ouais. Ça sent le fromage. Ouais. Alors, attends, je vais te dire combien ça fait en poids, parce que le plus simple, c'est que tu me dises en poids combien tu veux. Un quart, là, c'est bien. Un quart, c'est bon. Ouais, ça t'embête pas? Ah, pas du tout. Ben oui, c'est ça, donc ça fait 29 euros. Tiens, si. Michel. Oui. Elle voulait des informations sur monsieur le maire, sur ton employeur préféré, là. Oui. Des informations. Elle voulait savoir quels étaient nos rapports avec notre maire préféré. Oui, quel rapport avec le maire aussi. Vous, les habitants, ou les syndicats? Tout le monde, le mouvement en général. Bon, très mauvais, évidemment. Ouais. Il a de la gueule, c'est vraiment le politicard avec un grand P. Des promesses, de la démagogie, des menaces. Je crois que sur les menaces, il s'est un peu calmé, mais une période, il menaçait les gens de prison systématiquement. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Ouais, quand il disait des choses sur lui. Exactement. Non, c'est pas quelqu'un de très intéressant. Ni de très intelligent, je crois. Mais il est réélu chaque fois. Hein? Il est réélu chaque fois. Moi, ça fait quelques fois qu'il se présentait quand même. Oui. Non, il est réélu comme député parce qu'il est arrivé à se faire faire une circonscription vraiment sur mesure. Ah oui. Il monte jusqu'à Roubaix. Ouais. Et donc il y a très peu d'urbains. Parce qu'il perd sur les villes en fait. Il perd sur les villes, ouais. Mais il arrive toujours à se débrouiller, à gagner. C'est le Lévezou et le Ségala qui le font pas les ici. Les endroits les plus à droite quoi, qui le font élire. Ouais. Ça. Ça, alors, tu mets ça là. D'accord. Merci. Pourquoi on a des brebis noires? Non, on n'a pas attendu le 29 mai pour être des moutons noirs. C'est pour ça que je leur avais fait un cours à tous, là, à Grenoble. Oui, sur les brebis noires. Oui, juste après que l'autre avait parlé des moutons noirs, en disant que d'abord, les moutons, c'est des conneries parce que... Personne n'élève des moutons, on élève tous des brebis. Mmh. Donc déjà, Chirac, il s'était trompé. Et que les brebis, il fallait toujours des brebis noires dans un troupeau. Mmh. Parce que au lieu de compter toutes les brebis, tu comptes que les brebis noires. Et statistiquement, tu es à peu près sûr d'avoir le tout. Parce que les brebis, elles ne savent pas qu'elles sont blanches ou noires. Oui. Donc tu aurais que tu comptes, si tu as 4 ou 5 brebis, si tu as une brebis noire tous les 30 ou 40, si tu comptes toutes les brebis noires, que tu as toutes tes brebis noires, tu es à peu près sûr que tout le troupeau est là. Ah, d'accord. Tu vois, quand tu es dehors. Donc la brebis noire est très importante. Ah, ça permet de compter les brebis. D'accord. Donc elles vont mettre bas début février. Mm-hmm. C'est à l'exploitation. Là, c'est coucher de soleil sur le camp militaire. Voilà, donc là, c'est le camp militaire. Tu vois, il n'y a plus rien là, c'est tout nu. Là. Ah oui, c'est tout nu, c'est dingue. À force de tirer, à force de tirer au canon, de brûler, de. D'accord. C'est cette, tu vois, la première colline de pins, c'est ça notre limite. Ouais, d'accord. On est quand même tout près, quoi. Ouais. Voilà notre petit
Voilà mon redon. C'est vrai que c'est un espace particulier, hein. Enfin, les causes, c'est particulier quand même. Ouais, c'est vraiment... un côté un peu désertique. Ouais. Râpé. Oui, c'est rude. Vraiment très beau. Ouais, mais c'est bien, c'est beau. C'est...